depuis ce matin, donc on est dans la continuité du mouvement de grève illimité déposé à partir de vendredi, hein, depuis vendredi 11 mai, où nous avons été reçus par le directeur de l'AES et le représentant du préfet, qui après ces rencontres ont suspendu toutes mesures de suppression de l'indexation. Donc on est dans l'attente d'une table ronde promise. Donc on ne sait pas quand elle se fera. Donc nous, notre mouvement continue. Donc nos camarades du Sud ont fait de même sur Saint-Pierre. Et donc c'est fort possible que d'autres établissements comme Saint-Benoît ou Saint-Paul en fassent de même à partir de demain aussi. Le problème, c'est qu'on est en train de toucher à nos acquis sociaux. Voilà. Donc il y a déjà eu 150 suppressions de postes dues au déficit du CHU. Il y a un redéploiement du personnel. Il y a une baisse de titularisation. Normalement, on avait 300 titularisations par an et on est passé à 100. On touche à nos acquis sociaux de jours de congés professionnels. Hein. Pareil, hein, on est en train de vanter la Réunion, le mieux vivre ensemble, tout le monde y côtoie, tout ça. Mais là, le Malba, le Chinois, le Arabe, où il avait son jour pour célébrer son cul, on va enlever tout ça. On touche au RTT, ça veut dire que il y aura moins de personnel, on va demander de plus de travail en très peu de temps. Voilà, il y a ça. Et nous, on était OK, mais quelques vont devenir nos enfants demain. Il y a toute la cellule familiale qui est en jeu avec cette perte de salaire. Quand on contacte un crédit, toute cette prime est prise en compte. Voilà, donc le remboursement, on ne va pas tenir compte si vous avez eu une baisse de salaire ou pas. Ça tombe du jour au lendemain, donc on ne peut pas accepter ça. Alors depuis ce matin 5 heures, donc on a établi un barrage filtrant à l'entrée de l'hôpital, hein, mais bien sûr en facilitant l'accès pour les ambulances, les taxis qui emmènent les malades tout ça à l'hôpital, hein, donc on fait quand même, on est soignant avant tout. Et il y a un personnel aussi assigné, donc il y a quand même une continuité de soins. Voilà, donc juste le fonctionnement est un peu perturbé à l'entrée, mais sinon sans plus.